Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc normalement ça fonctionne. Je vais vous parler des courses aujourd'hui. Je regarde le retour si ça fonctionne. Donc je vous parle des courses aujourd'hui. Il y a environ 45 courses environ sur l'application PMU tous les jours pratiquement. J'ai 5 combinaisons. La première combinaison A6-2-4, la deuxième combinaison 5-4-3-As, la troisième combinaison 8-3-7-9, la quatrième combinaison 10-5-13-15 et la cinquième combinaison 10-2-13-15. Bon, première, deuxième, hein, peu importe. Hein. Mais comment et laquelle choisir pour jouer? Voilà. Si tu veux faire un pari, laquelle choisir? Alors, tu as plusieurs types de recherches si tu veux chercher laquelle jouer. Tu as une recherche pour obtenir le nombre de partants, par exemple. Là, on est sur vendredi. Vendredi, c'est une valeur de 5. Aujourd'hui, le vendredi, c'est une valeur de 5 à obtenir dans tes calculs. Genre le 5, tu peux l'obtenir avec le 6 as, 6 as de 4. Aujourd'hui, on va retrouver beaucoup de 6 as de 4, la combinaison. Aujourd'hui, vendredi, obtenir une valeur de 5. Comment on peut obtenir une valeur de 5? Avec 10, 5, 13, 15? Ou 5, 4, 3 as, bêtement 5, 4, 3 as. 4 et 1, 5, le 5. 5, 4, 3, comment obtenir 5 avec 5, 4, 3, 4 et 1, 5, 4 fois 3, 12, 2 moins 1 du 12, ça fait 1, plus 4, ça fait 5, 6 as de 4, 5, 4, 3, as, aujourd'hui, ouais, par contre, on a de l'attelé, on a des à Auteuil, une journée comme ça, avec Auteuil, Volvega, tout ça, la croisée la roche. On est plus sur une journée de 5-4-3 en simple placé, 5-4-3. Ou alors aujourd'hui on va se manger, c'est une journée des favoris. Est-ce qu'on va bouffer beaucoup de favoris dans les courses qui vont faire gagnant? Je ne sais pas. Aujourd'hui, est-ce qu'on est sur une journée avec les numéros A6-2-7 qu'on va retrouver beaucoup dans les arrivées? Je ne sais pas. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on va retrouver facilement l'heure de départ de la course? Une course à 11h25, voilà, il y a 6 et 5, 11. Il y a 9 partants. Il y a 20, 11h25, tu vois? As, As, 2, 5. Est-ce qu'on va faire attention? As, As, 2, 5. Une course à 11h40, est-ce qu'on va faire attention à l'As et au 4? Une course à 11h57, est-ce qu'on va faire attention à l'As, le 5, le 7? Ou alors aujourd'hui on est sur une journée à retrouver 11 partants, 6 et 5, 11, 8 et 3, 11, 7 et 4, 11. Est-ce qu'une journée, c'est même pas une journée à obtenir l'heure, tout ça, parce que dans les calculs, il faut toujours obtenir le nombre de partants, l'heure, même égal à 13. Voilà, il y a 9 partants. 9 et 4, 13. Le 9 et le 4, on sait que le 9 et le 4, ce ne sont pas des numéros qui arrivent régulièrement ensemble. Ça arrive qu'ils arrivent ensemble, mais ce n'est pas régulièrement ensemble. Donc, est-ce qu'on fait 9 et 4, 8 et 7, 15, 5 moins 1, 4 du 15, 8 et 7, 15. Donc, 8 et 7, 15, 5 moins 1, 4. On peut obtenir le 4 aussi comme ça. Donc, faut obtenir 13, faut obtenir 11h25, faut obtenir 9. Voilà, 2600 mètres, il faut obtenir 13 deux fois. Voilà aussi. Bon, comme je te parlais d'obtenir 13 tout à l'heure, la valeur 13, mais aussi avec la distance, aussi là, pour la réunion 2, course 1. Voilà. Les courses à Auteuil, à Volvega, là. On a des journées comme ça, des courses à Auteuil, à Volvega. On va regarder ce qui arrive comme numéro.
plaisants, les numéros plaisants pour la journée, les courses à Auteuil, à Volvega. Ça devait se passer il y a 2 semaines, un truc comme ça, parce que c'est une roue, hein. Ça tourne tout le temps, c'est toujours pareil. Hein. Les courses à Auteuil, à Volvega, on va regarder où est-ce que ça se trouvait. Au point de vue de la date, sachant qu'aujourd'hui, le vendredi, hein, faut obtenir 5 de valeur. Hein. Le vendredi, hein. N'oublie pas, hein. Dans tes calculs, faut obtenir 5. Ou une journée du vendredi à obtenir 5 de valeur, donc à ce moment-là, il va se plaire 5-4-3-As, voilà, ou à 6-2-4, c'est les deux plus faciles à obtenir 5. Est-ce qu'on va se manger 8-9-7-3 qui va saler le reste de la journée, qui va saler les arrivées du reste de la journée? Est-ce qu'on va obtenir 10-5-13-15 qui va saler aussi un petit peu la journée? Sûrement, sûrement. On cherche Angers et Volvega. Voilà, on a Volvega là ici le jeudi 20 octobre. On avait Volvega, Deauville. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas Volvega, Deauville. Hein. Auteuil, tu vois. Je ne sais pas si on a Volvega en gain. Enfin, on a Volvega aujourd'hui, mais est-ce qu'on a en gain, Auteuil, tout ça? Attends, je vais regarder. Je vais regarder avec le smartphone à côté les réunions du jour encore. Volvega, on a ou bien Auteuil, Volvega, Pont-Vivo, Médan. Donc on a déjà Anguin là, qui correspond Anguin, Auteuil. Non, on a Auteuil, Volvega qui correspondent. Je regarde vite fait. Hein. On n'avait pas une course à Vincennes le soir, là, le mardi, là? Non, c'est pas vraiment cette journée-là. Il y a déjà Volvega Auteuil, mais c'est pas cette journée-là que je recherche pour voir les numéros, ce qui tombe. Sinon, tu peux regarder... voilà, tu peux faire tes recherches toi-même. Hein. Aujourd'hui, on a le Vincennes, Volvega, Auteuil, la Croisée de la Roche. Voilà, ça va te donner une idée des combinaisons qui tombent pour ces réunions-là. Hein. C'est comme ça que j'ai fait, moi. Bon, j'ai pas envie de trop chercher parce que je vais mettre du temps. Aujourd'hui, est-ce qu'on est sur des combinaisons avec des numéros A6, 2, 7? Aujourd'hui, est-ce qu'on est avec des combinaisons 3 avec les numéros 3, 4, 5? Aujourd'hui, est-ce qu'on est avec des combinaisons avec le numéro de course, numéro de réunion? Peut-être aujourd'hui, ça. Hein, numéro de course, numéro de réunion. Hein. R2C1, faire attention aux 2 et à l'As. R3C1, faut faire attention aux 3 et à l'As. En simple placé. À toi de rajouter peut-être le favori ou la deuxième petite cote et plus petite cote et jouer en couplet placé. Ouais, je crois qu'aujourd'hui R2C1, faut faire attention aux 2 et à l'As, R3C1 à 3 et à l'As, R2C2, bon, tu fais attention aux 2 ou aux 2, aux 2 ou alors 2 divisé par 2, 1. R3C2, faut faire attention au 3 ou au 2, en simple placé. R2C3, au 2 ou au 3. Moi, je crois que c'est ça la dynamique de la journée. Hein. Voilà, numéro de course, numéro de réunion à faire attention, à jouer en simple placé. Ça va être sur beaucoup d'arrivées, sur beaucoup de courses. Hein. Les arrivées qui vont composer les courses aujourd'hui, numéro de course, numéro de réunion, de la course que tu attends. Le quintet, ce soir, c'est un autre déchiffrage. Hein. Je te parle pas du quintet, hein, je te parle des autres courses. Hein. Aujourd'hui, voilà, pour faire tes calculs, déjà, un truc, deux numéros fiables aujourd'hui, c'est numéro de course, numéro de réunion. Pour n'importe quelle course, hein. Enfin, beaucoup de courses, beaucoup d'arrivées aujourd'hui. Sachant qu'aujourd'hui, vendredi, il faut obtenir une valeur de 5. Donc, si tu as le numéro de course, numéro de réunion, R2C1, pour obtenir une valeur de 5, tu fais 2 et 3, 5, ou la C4, tu vois, ça va te permettre déjà
de pouvoir rassembler des combinaisons. R3C1 pour faire 5, une valeur de 5 pour le vendredi. R3C1, on fait 3 et 2, 5. On fait AC4, 5. Voilà. R2C2, ça fait 2 divisé par 2 égale 1 pour obtenir 5. KT1, 5. Voilà. Après, je t'ai parlé, je mets 5 combinaisons hein, en début de live. Hein. J'ai 5 combinaisons hein, qui tiennent la route. Hein. Il faut jouer aujourd'hui en couplet passé, voire trio pour les courses à 6 partants, 9 partants. Ça peut venir en trio. Il y a des courses avec peu de partants aujourd'hui. Ça peut venir en trio, mes combinaisons. Mais aujourd'hui, si tu veux jouer ça un peu passé, c'est numéro de course, numéro de réunion. Voilà. Une fois que tu as le numéro de course, numéro de réunion, R2C1 par exemple, pour obtenir 11h25, il y a 9 partants. Tu vois, 9 et 2, 11. Ou alors là, c'est. Si on a 9 et 2 déjà. Ça fait 11. Donc 9 moins 2, ça fait 7. 7 fois 4, 24, plus 1, 25, tu vois. On a la combinaison ici pour R2C1. On a dégrossi, on a une combinaison avec 9, 2. 9, 2. 9, 2, 4, As. 9, 2, 4, As. Voilà. On a une combinaison 9, 2, 4, As. On a dégrossi. Si on a 9, 2, 4 As, j'ai ma combinaison 5, 4, 3 As ou As, 6, 2, 4 peut-être à jouer en trio, voire couplet gagnant. Tu vois? Mes combinaisons tiennent la route. Faut vraiment prendre un support pour jouer les. C'est la dynamique d'aujourd'hui. Hein. Voilà, tu prends le numéro de course, numéro de réunion, tu essaies d'obtenir l'heure ou d'obtenir 13 ou d'obtenir la moitié de la distance. Tu vois? 3600 mètres, là, Auteuil. Faut récupérer 18, voilà, deux fois. Ou alors récupérer le nombre de partants, 6. Ou récupérer 13, voilà. Aujourd'hui, la dynamique, pour nos calculs, c'est numéro de réunion, numéro de course, voilà. Après, à toi d'obtenir tes calculs. Soit l'heure, la distance divisée par 2, même la distance, voilà, par des calculs. Hein. Des multiplications, soustractions. Mais aujourd'hui, la dynamique du jour, c'est numéro de course, numéro de réunion. Je te parle pas de faire tes calculs avec les favoris. C'est pas pour aujourd'hui, je pense. Le plus rassurant aujourd'hui, c'est de prendre le numéro de course, numéro de réunion. De n'importe quelle course. Hein. Voilà. Puis obtenir 5 aujourd'hui, vendredi, la valeur de 5, bêtement. C'est peut-être celui-là aussi qu'il faut prendre aussi. Ok, tu comprends? C'est pour aujourd'hui. Hein. Je voulais faire un test de vidéo que je vais partager sur les pages des groupes. Voilà. Ok les amis, bon ben voilà, allez, passez une bonne journée les amis, bonne journée.